Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Jérémy Fin. Je suis cofondateur de Vertigo.com, V-E-R-T-2-E-G-O, qui est une plateforme de développement durable pour les PME-PMI, depuis qu'est-ce que le développement durable jusqu'à la systématisation de son approche, la mesure de ses performances et la génération d'indicateurs, et la création d'un rapport de développement durable in fine, partageable avec les pairs de l'entreprise, donc les parties prenantes, les employés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, et pourquoi pas le gouvernement, le banquier, etc. Vertigo, c'est une plateforme web, donc c'est simple d'utilisation, il y a juste à rentrer une adresse internet pour y accéder, et on permet à toute entreprise de mesurer sa performance extra-financière, développement durable, donc sur 5 axes, l'environnement, le social, le sociétal, donc l'intégration sur l'économie, dans l'économie locale, l'innovation et la qualité, donc ce qu'on appelle chez nous activité, et enfin la gouvernance et l'éthique des affaires. Donc on permet à tout chef d'entreprise d'avoir de la visibilité sur ces 5 axes et de la partager avec ses collaborateurs et partenaires en affaires. Le bureau virtuel porte bien son nom parce que entreprise facile nous sert à gérer l'ensemble du back-office de l'entreprise, donc depuis les notes de frais jusqu'au suivi des temps, en passant par des groupes de travail. Donc on met des fichiers, on partage des fichiers via le bureau virtuel, et donc ça nous permet d'avoir un système qui nous sert d'appui à l'administration d'entreprise. Ça nous fait gagner du temps. On utilise les dossiers commerciaux, et c'est bien pratique parce que ça nous sert également de répertoire. On peut retrouver nos clients en quelques clics. Et on a toutes les coordonnées qui s'affichent, on n'a pas besoin de stocker des cartes de visite dans des classeurs comme on faisait du temps de grand-papa. C'est un avantage au quotidien parce que c'est très facile à prendre en main, c'est convivial, il n'y a pas besoin de formation. Un nouveau collaborateur arrive, on lui donne un accès, il comprend très vite comment ça marche, donc c'est intuitif, ça ne plante jamais. Il n'y a rien à installer, donc ça ne pollue pas nos ordinateurs. Enfin, l'équipe du bureau virtuel est proche de sa communauté de clients et nous, ça nous rassure de savoir qu'on est entre de bonnes mains. Jérémy Fin, je vous remercie d'avoir répondu à cette interview et on vous donne rendez-vous sur vertigo.com. Merci Delphine et rendez-vous sur les bureaux virtuels pour ceux qui voient cette vidéo également.